Ahoy! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici As2, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour ce qui pourra être peut-être le dernier épisode de Factorio Vanilla, cette saison qu'on a menée à bien sans trop d'encombre. Du coup, la dernière fois on s'était laissé, on avait fait le cuivre qui était en train de chauffer. Donc maintenant on a un petit peu plus de circuits bleus, mais pas encore beaucoup. Alors ici, attendez, ça c'est pour construire des plaques bleues. Le problème, ouais, c'est que quand même les circuits verts, on est un peu limité. Donc comme on a vraiment besoin que de ça maintenant, on va peut-être se reconstruire quelques usines de circuits verts, je crois. Hein. Écoutez, alors, hop, on récupère ça. On a du fil de cuivre. Normalement, il y en a assez. Ouais, vous voyez que ça buffer au max, donc c'est parfait. Donc on va pouvoir poser. Donc on en a besoin ici. Donc si je l'ai fait là, on va pouvoir rejoindre éventuellement ici. Donc je vais enlever ça. J'ai pas de place dans l'inventaire pour toi. Si j'ai de la place. Donc on va poser. Je les ai pas craftés. Hop, on va en crafter 10. Qu'est-ce qui nous manque ici en vrai? Vous voyez qu'on est monté déjà à 15%. Ça c'est déjà, ça monte pas mal. Mais il nous manque surtout les unités de contrôle des fusées. Donc c'est ceci. Et pour ça, ben, c'est les circuits bleus. Hein. Les processeurs qui sont en manque. Deux circuits verts, très clairement. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est remplacer ces tapis jaunes et souterrains jaunes par des circuits rouges. Ça va nous les accélérer un petit peu pour mieux répartir la charge. Ça va pas changer grand chose, mais quand même. Hop, je lance ça en plus. On va mettre les tapis rouges. Voilà, 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 voilà. Ici, comme ça, et ici, partout, les tapis rouges. Les souterrains rouges, c'est en train de me les faire. Non, c'est en train de me finir ça d'abord. Très bien, bon, on va attendre quelques secondes, je vais tirer sur ma clope. Ils sont prêts, ils sont beaux, ils sont bons. Et donc, hop, hop, hop. Voilà, ça nous accélère déjà un petit peu le merdier. Ensuite, on va faire la prod. Donc pour les circuits verts, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Il nous faut juste des plaques de fer et des fils de cuivre. Donc pas trop problématique. Où sont mes crafters? Ils sont là. Là, je fais une boucle. On va pouvoir enlever cette boucle-là. La faire directement descendre, comme ça je gagne un petit peu de place ici. On fait comme ça. Comme ça. Et là, je descends. Voilà. J'enlève ça. Parfait. Je pose ceci. Ici, là. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau de la hauteur? Ouais, c'est bon. Le niveau de la hauteur, ça va passer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si 7, ça va être bon ou pas. On fait donc venir. Ici même. Les fils de cuivre qui sont là. Et les plaques de fer qui sont là-bas. Et là, je vais être emmerdé avec les fils de cuivre. Est-ce que je vais pouvoir régler ça facilement? Ouais, alors, comme expliqué dans l'épisode précédent, en soi, on s'en fout un petit peu de la beauté, de la symétrie de la base maintenant. On va vraiment essayer de se focus plus sur le, sur la fin de la série, tout simplement. Donc on va faire monter ça ici. Ici, il me faut un splitter jaune. Il va falloir que je remplace par la suite les jaunes, mais autant les faire en jaune pour le moment. J'ai plus du tout de souterrain jaune. Si, j'en avais encore, j'ai rien dit. Hop. Hop. Voilà, je l'ai fait venir ici. Et là, je mets encore un petit souterrain. Comme ceci, parfait. Tapis jaune encore qui manque cette fois. Bravo, on va annuler, j'en ai trop. J'ai encore des petits coups de lag, hein. Je suis désolé. J'ai pas encore changé mon PC comme annoncé dans l'épisode précédent. J'ai quelques coups de lag encore. Mais j'ai changé de disque dur, donc ça devrait aller mieux. Vraisemblablement, l'épisode d'hier s'est bien passé. Je vous avoue que je l'ai pas regardé en entier. J'ai regardé en travers, ça avait l'air de tenir. Donc j'estime que c'est bon. Voilà, les bras pareil, il va falloir les remplacer. Il me faut un splitter jaune là. Très bien, donc là on a ce qu'il faut. Vous me faites des circuits verts. On alimente le tout. Voilà.
on met des tapis de sortie. Et ça tombe pile. Là, le splitter. Alors, c'est splitter rouge. J'en ai encore un, parfait. Voilà, on met les souterrains qui vont bien. Et ça va être OK. Encore juste les bras. Voilà, et voilà. L'électricité. Et on est bon. OK. Très bien. Donc plus de circuits verts pour plus de circuits bleus, pour plus de circuits rouges. Enfin, pour plus de circuits rouges, pour plus de circuits bleus, pour plus de satellites. Très très bonne nouvelle. Très très bonne chose. Donc là, on en a plus. Alors, on va pouvoir déjà mettre des cartes d'accélération dans ces machines-là. Voilà, et là, par contre, il faut que j'en place mes bras quand même. Ce qui me reste des bras bleus. Bien sûr, bien sûr. Bras bleus, bras bleus, bras bleus, bras bleus, bras bleus, bras bleus. Il manque un tapis aussi. Est-ce que les tapis jaunes suffisent? J'ai pas l'impression. Donc il va falloir que je remplace tout ça par des tapis rouges. Je sais pas à quelle heure j'ai lancé le record. Comme d'habitude, on va dire. Hop, hop, hop. Tout ça, tapis rouge. Tapis rouge, ça devrait suffire. Des souterrains rouges. Souterrain rouge ici, souterrain rouge là. Et il nous manque encore un splitter rouge. Parfait. Et là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Est-ce que ça va jusqu'au bout? Ça buffer, donc c'est bon. Au niveau des circuits, c'est nickel. Mais par contre, on constate qu'un bras bleu, c'est quand même pas suffisant. Et du coup, ça va plus buffer, évidemment. Tac, on va mettre ça. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Donc là, c'est bon. Mais ça ne buffer plus. S'il y en a encore un petit peu qui arrive au bout, pas de beaucoup. Ouais, non, ça suffit pas. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. De toute façon, le tapis, il est quasiment plein. Donc le sixième, il va pas être utile. Il peut hein, être utile, il va quand même le remplir. Il est pas rempli à 100%, mais c'est toujours ça. Et là, comme on peut le voir, ça nous fait plus de circulaire parce que ça arrive à aller jusqu'au bout. C'est très bien. Et... OK. OK, bah il y a plus qu'à attendre maintenant. Vraiment, il n'y a plus que ça à faire. On est à 22%, ça monte vite, hein. Ça monte vite. Il nous reste encore... 700. Ouais, pas loin de 700 trucs comme ça, 7 ans de chaque affaire. Donc ça va être un petit peu long. Ce que je vous propose, alors du coup ça va pas être le dernier épisode aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'améliorer un petit peu les plaques bleues. Quoique non, on buffer quand même, on buffer pas sur les plaques bleues. Les plaques bleues, ils sont en manque de circuit vert aussi. Mouah. Est-ce que on a assez de cuivre? Est-ce qu'on a assez de fil de cuivre? Parce qu'on peut voir que ça ne buffer pas du tout ici. Fil de cuivre, ouais, c'est bon. Et c'est bon. Donc, fil de cuivre, c'est good. Par contre, on va peut-être mettre des tapis rouges quand même. Pour les fils de cuivre. Ça va peut-être nous aider. Faut que je mette des splitters rouges. Faut que j'en fasse aussi. Hop, 5. Tac. Donc, tout ce qui a besoin. Enfin, tout ce qui est la ligne des fils de cuivre. On passe sur tapis rouge jusque-là. Plus bas, il n'y a pas besoin parce qu'on ne les sert pas. Mais comme là en fait ça buffer plus, vous voyez qu'il n'y a plus que le premier qui tourne. Parce qu'il n'y avait pas assez de fil de cuivre. Et il faut encore le splitter. Ou les splitters. Ils sont faits? Ils sont pas faits. Qu'est-ce qu'il me craftait? Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Cela ça buffer sur ce splitter là. Mais c'est pas trop ce qu'on veut. Est-ce que je peux me permettre de faire également? Très rapidement. Est-ce que j'ai encore un splitter bleu? Oui. On va mettre un splitter bleu là. Un splitter bleu là. Et ce qui est en surplus en fait ici, on va le faire venir sur cette ligne. Donc tapis bleu. Voilà. Et là ça va encore plus nous remplir la ligne. Donc très bien. On peut même mettre... Alors là par contre j'en ai plus des splitters bleus. Je vais en relancer. Il me faut des splitters rouges pour ça. Ils sont en train d'être faits. Ah mais c'est... Ok ouais non, il veut mettre le circuit vert. On va les récupérer. On va les récupérer ici. Hop.
Ok, recherche, on va s'arrêter sur les recherches, hein. Comme ça, ce sera tout ça de circuit vert consommé en moins. Voilà, quelques splitters rouges, on va passer ici. Sur celui-là, juste pour créer, non pas ça, mais des splitters bleus. Hop, tu vas me poser ceci. Des engrenages et des circuits rouges. Parfait. C'est quoi qui te manque, toi? Des engrenages. On a plus d'engrenages ou j'ai pété la ligne? On a plus d'engrenages. Comment ça se fait qu'on a plus d'engrenages? J'ai dû péter la ligne, c'est pas possible. Alors, on a plus d'acier, plus de fer. C'est aussi possible. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais je... Non, ça a l'air d'être qu'on a plus de fer. Pourquoi est-ce que je consomme autant d'engrenages, moi? Bon, attendez. D'un. On place ça. Une chose après l'autre, après j'oublie sinon. Là. Voilà. Et tout ici. On met du bleu. Là, ça me fait un tout petit peu, hein. Hop. Et c'est bon, on a du bleu sur tout le long. Et là, il devrait plus trop y avoir de problème. Là, ça buffe encore, donc ça veut dire que c'est bon. Pourquoi vous ne fonctionnez plus? Parce que vous avez plus de... Ah, merde! Ah, fuck! J'ai fait une connerie ici. J'ai fait une connerie, ça, je l'ai décalé. Je l'ai mis un trop beau. Remets-moi celui-là, là. Celui-là, tapis bleu, là. On va ramasser tout ce qui vient ici. Et là, ça va être good. Voilà, là, c'est reparti. Ouais, là on est bon. Là on est bon, ça fabrique en masse. Alors par contre, ouais effectivement, regardez, on n'a plus d'acier qui entre. On a dû finir le gisement. Alors ça peut être très très problématique. Pour le coup, on va faire comme ça. J'ai vidé mon inventaire. Ici, il y en a deux qui ont terminé. Toi t'as fini. Mais on consomme des masses de plaques d'acier pour faire ces circuits verts. Donc on a des gros problèmes d'alimentation en ressources brutes. Je vais aller voir, mais je crois que j'avais miné absolument tout le gisement là. Ouais, mais ils sont tous terminés. Ou presque tous. Ça c'est fini. Lui il est fini. Tous ceux-là, ils ont terminé aussi. C'est génial. Est-ce que je vais vraiment être obligé de déplacer une dernière fois ma mine d'iron? Allez, enlève ça. Tous ceux-là, ils ont fini. Bah tiens, là, il en manque. Là, il y en a trois qui sont pas minés. Je vais en reposer un. Ce sera toujours ça, déjà. Hop. Alors, où est-ce que je peux trouver de l'iron, moi, facilement? Il y en aurait ici. Un petit gisement. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Alors, ça, c'est juste que je me suis fait attaquer un coup par eux. D'ailleurs, ça serait pas bien de nettoyer le camp quand même. Là, il y a un immense gisement, mais ça veut dire remonter puis redescendre. Non, je pense qu'on va aller prendre le petit gisement là. Honnêtement, ça doit largement suffire. Alors là, par contre, ça commence à bien polluer quand même, hein. Donc on va se faire attaquer par cette immense ville très bientôt. Celle-là aussi, ça va. Celle-là, ça va. On va aller se mettre là. On va aller se mettre ici. Donc ce qu'il va nous falloir faire, d'ores et déjà, c'est tirer les tapis. Sinon, le jeu, il va pas être content. Donc ce qu'on va faire, il me reste un splitter bleu normalement. On va faire comme ça et splitter bleu. Voilà. Ici, on fait une petite boucle. Comme ça. Je me déplace vraiment très lentement en marchant sur les tapis. Hop. Donc là, on monte. Ça va être pour l'iron. Non. Ah, con d'arbre. Con de... C'est bon, je l'ai enlevé ? Ouais, c'est bon. Je me suis jamais fait d'exosquelette, hein. Non, je me suis pas fait d'exosquelette, moi. C'est pour ça que je me déplace si lentement. Est-ce que j'ai de conférence sur moi? Je pense pas. Non. Ouais, ça coûte des circuits bleus. Ça coûte pas très cher. Mais on a trop besoin de nos processeurs bleus pour se le permettre. Et j'ai plus de tapis bleu. Bon. Bah écoutez, pour le moment, tapis rouge. Hein. Hop. Mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà. Fait à peu près ici. Ah, c'est en plein sous la forêt. Oh, mais c'est bon, il est assez conséquent quand même. Hop. Merci les robots. Ultra rapide. Tac. Ouais, ça devrait suffire.
Ça devrait suffire. Alors, nous allons déjà poser nos miners. Ensuite. Encore un petit peu les robots au boulot. Hop. Parfait. Ils sont où? Ils sont là. Voilà, c'est déjà ça. Tapis rouge. Hop. On va faire ça comme ça. J'ai encore ces coups de freeze, ça m'emmerde. Ça veut dire du coup que ça vient pas de mon disque dur. Là, merci. On vient tirer le courant. Voilà. Pylône. J'ai absolument pas... Ah, laissez-moi pas... J'ai absolument pas surveillé ma consommation d'énergie et ma production d'énergie. Ça devrait être bon. Pouf, C'est largement bon. Donc là, c'est bon. On a à nouveau un petit peu de trucs qui minent. On peut voir que le tapis, il est pas saturé. Donc, il n'y a pas besoin de tapis bleu. Je vais quand même mettre des tourelles parce qu'ils vont revenir vite. Ils vont attaquer vite. Je vais enlever celle-là, je pense. Il est décalé. C'est eux qui risquent de m'attaquer. Il n'y a aucune défense ici. Je vais en enlever 3. C'est un petit camp, c'est une petite ville, donc ça va. 3 devraient suffire. Alors, je les ai enlevés. Je sais que j'avais encore des tourelles, c'est surtout au niveau de la munition. Tac, tac, tac. Tac. Et voilà. Et maintenant, j'ai 600 de munitions. Donc, on répartit tout ça. Comme ceci, comme ceci, et 100 ici. Laisse-moi passer. Voilà, c'est bien. Ça c'est fait. Ici, tout ça fonctionne. Ça devrait déjà aller un peu mieux. Ouais, c'est bon, le tapis il est pas plein, mais pas loin. Donc parfait, c'est relancé le minage de l'iron. La production d'iron. Même si ça va pas jusqu'au bout, ça vient jusque là seulement, ça va pas plus loin. C'est toujours ça, mais on peut voir que ça ne sature pas du tout. Hein. On est vraiment à court d'iron. Ouais. Du coup, ça met en pause, ça diminue. Oh, c'est chiant. Bon, bah du coup, ok, j'ai compris. Ah, mais j'avais de quoi en crafter en plus. Là. Et là, on va reprendre un peu de munitions sur les tapis, même si... Alors là, le circuit de munitions ne fonctionne plus du tout depuis qu'on a fait ce champ de panneaux solaires parce qu'il est coupé là. Mais on pollue tellement peu dans la base en soi qu'on se fait quasiment jamais attaquer, en fait. Et seules quelques fois, on se fait attaquer parce que c'est par un biters. Et on a encore pas mal de munitions sur la ligne, donc c'est pas... C'est pas urgent. Ok, 200, 300 munitions. On augmente un petit peu. Voilà, ça devrait le faire. On remonte, on va poser nos nouveaux miners. Je vais prendre le temps qu'on va nettoyer le camp aussi. On va profiter pour nettoyer le camp tant qu'on y est. Un petit peu de place, hein. Ce camp-là, la ville qui est là, je pense que j'aurai pas assez de défense. Quoi, je peux y aller aux tourelles. Je vais y aller aux tourelles, en fait, avant même de... Hop, on va faire comme ça. 5 tourelles. À tes souhaits. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà, les tourelles, c'est bon. J'enlève les robots. On nettoie ce camp, déjà. Parce que là, c'est drôlement proche, hein. Hop. Voilà. On fait un petit tour autour des tourelles. Voilà. On remonte. Il nous reste ça et un camp. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est fait. Maintenant.
Je récupère ça, je vais remettre mes robots porcs pour qu'ils réparent vite fait. Je récupère ça. Merci monsieur, j'enlève ça. Hop, on va poser nos nouveaux miners et ensuite on ira nettoyer les 2-3 camps qui sont un peu exposés. Miners. Quelques arbres en moins. Quelques arbres en moins. J'ai pas remis. Je les ai re-enlevés. Oui. Hop. Merci les robots. Alors, je peux encore en mettre un ou deux ici. Bon, j'en ai plus qu'un de toute façon. On y va comme ça. On y va comme ça. Tapis rouge. Va peut-être falloir que je passe sur du tapis bleu du coup. Ça risque de saturer. Voilà. Il faut que j'alimente encore. Ah. Ceux-là. Voilà, normalement tout est alimenté. Est-ce que le tapis sature? Pas pour le moment. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Très bien. Tant que ça me fait ça. Là en soi, on a vraiment pas grand chose à faire à part attendre. On va nettoyer ça. Nettoyer ça. C'est le duo d'abord parce qu'on est à côté. On va récupérer ces deux tourelles. On va poser les tourelles justement. Où ils sont? Ils sont là. Munitions. Voilà. On va à l'attaque. C'est une petite ville, ça va, il n'y a pas trop de monde. Donc il y a une ville à gauche, on va essayer de pas l'aggro. Merde, mes robots, sac à caca, venez les robots, vite! C'est bon, il n'y a plus de robots? Si, j'en ai encore un, mais c'était pour voir s'il revenait. De toute façon, j'ai eu 8 robots morts. Hein. Ça fait très très plaisir. C'est pas grave, c'est chiant. Ah oui, il y a quelqu'un aussi qui m'a posé la question concernant les robots de combat. C'est une merde sans nom. Très honnêtement, ça sert vraiment à rien. Dès le moment où vous avez le temps, ça sert plus à rien. Et je vais crever. Vite retourner. Bah, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est complètement useless en fait. C'est complètement useless. Tenez, pour que ça répare plus vite, ça m'emmerde de le faire à main. On fait comme ça. Vas-y, répare-moi ça. Allez, Bob. Arbeit los. Je peux même l'aider. Parfait. Je les laisse équiper, je crois que j'ai nettoyé à peu près tout, donc ils vont peut-être se faire un petit peu défoncer, mais pas trop. Allez, hop. Puis c'est bon, ah, c'est pas bon. Ah ouais, non mais en fait là c'est des gros vers, ils font tellement mal. Ça c'est bon. Ça c'est bon, le petit là. À mort. Allez, on se casse. On va quand même aller nettoyer les verres parce que sinon les camps ils vont repop. Hop, le petit tour autour des tourelles. Ah, ils ont de la vie ces cons hein. Voilà. Non, il en reste un. C'est bon. Le camp ici, il est clean. Maintenant. Est-ce que les camps du bas valent la peine non. Si, celui-là, en vrai, quand même. Hein. Quand même. Mais j'ai la grosse flemme. C'est chiant. Honnêtement, il pourrait tellement rendre le PVE beaucoup plus intéressant. En soi, le PVE, dès le moment où on a le tank et les tourelles, c'est juste long et chiant, mais sans plus, quoi. Sans plus. Alors par contre, je vais profiter. Est-ce que j'ai de quoi encore? Non, j'ai plus de quoi. Non, j'ai plus de quoi du tout. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'iron aussi.
De copper. Rien de grave. C'est... On y va comme ça. On y va comme ça. Descendons. On va aller voir ce que ça dit au niveau des... Au niveau de la prod. Le tapis n'est pas saturé mais presque. Donc parfait. Attention le mur. Parfait. On laisse le tank là. Combien il me reste de robots? 4. 5 avec lui. Pauvre robot. Ah mais ça sature au niveau du copper, donc ça va, ça sature partiellement, ça sature de ce côté, ouais ça va, ça va, ça va. Et au niveau de l'iron, ça resature, ça c'est une excellente nouvelle. Donc là on est bon, on est en prod max en termes de fil de cuivre, sub-buffer donc c'est parfait. Ici les prod L-buffer donc c'est parfait. Et on peut constater que les fils, les trucs sont saturés, donc c'est parfait. Il faudrait juste que je les équilibre un peu. Parce qu'il me reste, j'ai pas de splitter rouge. Pas de quoi faire le splitter rouge. Hop. Un splitter rouge. Et ça, ça tue et ça buffer. Ce qui veut dire qu'on est au max en termes de prod là actuellement. C'est excellent. Allez, splitter rouge. Ici. Hop. On fait. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, c'est équilibré. Ça va des deux côtés. Ah, tiens. Bon, ça change rien, mais si, ça peut changer, absolument que ça peut changer. Et oh. Faire ça propre, là. Voilà. Les engrenages ne suivent pas, par contre. Hein. Les engrenages, clairement pas. 1, 2, 3. Tac. Je remplace, c'était pour ça. Je remplace ceci, ici. Et celui-là, là-haut. Voilà. Comme ça, là ça va être saturé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ici en soi, ouais, un petit dernier serait le bienvenu quand même. Deux même, deux, hop. Un là. Et un. Il est où? Il est là. Un là. Et on est bon! On est bon, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Par contre, on va pouvoir mettre beaucoup plus de fabriques de circuits bleus. Hein. Très clairement, on a la possibilité de le faire. Et on va pas s'en priver. Est-ce qu'il me reste des... Oui, il m'en reste. Alors, il faut qu'on décale ça. On va mettre ça comme ceci. 4 de plus, ça me paraît déjà bien. Il me faut des tuyaux, ça tombe bien, je viens d'en looter plein. Voilà. Tapis rouge. Jusque là. Il me faut des bras rouges. Je n'en ai pas. Là, on est d'accord. Ah non. Quelques bras rouges supplémentaires pour le chargement seraient les bienvenus aussi. Wep, wep. Parce que c'est là que ça buffer. C'est au niveau de la, du chargement et non pas au niveau du craft. Donc, hop. Là, ça va déjà être un peu mieux. Mais du coup, plus de consommation, bien sûr. En termes de ressources. Hein. Encore des bras rouges, là, j'en ai pas assez. Et il me manque des engrenages encore. Engrenages qui sont consommés pour les tapis bleus. Ouais. Voilà. Là, ça devrait être bon. On va pouvoir mettre des... bras jaunes déjà en bas. Tapis jaune. Électricité. Bras rouge. Un dernier tapis rouge qui traîne, qui manque. Voilà, donc là on a augmenté et on produit peut-être pas assez de tapis. Enfin les tapis rouges sont peut-être trop lents. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, je crois qu'on est pas mal. Donc là, on a presque doublé notre production de circuits bleus. On peut encore mettre des cartes d'accélération. Et je voulais justement, alors je l'avais envisagé, pardon, dans l'épisode précédent. Et c'est... Si c'est pas beau, ça.
C'est les circuits bleus qui buffer. Hop. Ouais, faire des modules de vitesse 2 pour les machines de craft. Ce qui peut être très intéressant. Alors pourquoi est-ce que là il arrive pas? C'est parce qu'on n'a pas assez de plaques d'acier, parce qu'on doit pas avoir assez d'iron. Mais bon. Une chose après l'autre. On va voir pour en faire plus. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, ça va faire comme ça. Mais non, attendez. Même pas là, ça buffer aussi. Non, non, c'est là-haut que ça... Ça merde, parce que il a pas assez de quoi. C'est l'acier, ok, là on est complètement bloqué par l'acier. Eh bah, c'est pas grave, on va pouvoir faire quand même les... Non, annule ça. Faire ça, hop. Il me manque des circuits rouges. Un circuit rouge qui ne buffer pas non plus, parce qu'on les utilise énormément pour les... Ouais, évidemment. Tac. Voilà, on y va comme ça. Il faut que j'augmente la prod de circuits rouges et la prod d'acier. Niveau d'électricité, c'est pas ça le problème. Le problème, il est au niveau de... J'ai des bras jaunes ici. D'où j'ai des bras jaunes ici, moi. Merci, ça ira déjà vachement plus vite. Voilà. Donc déjà plus de production de circuits rouges. Et au niveau de l'acier, c'est ici. Le problème, c'est que... C'est que ces fours sont extrêmement lents. Et donc c'est pour ça que j'ai crafté. Je sais pas où ils sont, ils sont là. C'est très long à crafter. Des... Je vous ai pas expliqué. Des modules de vitesse 2, donc qui vont, eux, à 30% plus vite au lieu de 20. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Mais le problème, c'est qu'on a quand même pas assez d'acier ici. On va peut-être passer sur du tapis rouge, là. Je sais pas. C'est les vieilles, vieilles installations qui sont plus à jour. Je passe sur du tapis rouge. Hop, splitter, tapis. Comme ça. Tout le long ici, la même. Ah, arrête de me décaler. Voilà. Souterrain rouge. Et splitter de la même couleur qu'il est en train de me crafter. D'abord les modules de vitesse. Alors ça buffer, oui et non. Hein. On a quand même besoin un peu plus d'acier. On peut passer sur du tapis rouge même si on a... Non, là on va plus avoir le splitter jaune. Allez, s'il te plaît, c'est long. On peut remplacer... Mettre ça ici et là. Donc ces deux là vont déjà aller pas mal plus vite. Mais le splitter ici rouge va être obligatoire. Le problème c'est que c'est pas du tout équilibré là. Et il y en a que sur un côté. Allez c'est... Oh, merde. Hop et hop. Voilà. Et là on va être bon. Splitter rouge. Splitter rouge. Donc là déjà c'est mieux. On a quand même pas assez de... Très clairement pas assez. Il va me falloir des tapis bleus, etc. Alors écoutez, je pense, j'ai pas calculé la durée de l'épisode. Mais je pense qu'on est bon pour la durée de cet épisode là. Ce que je vous propose, c'est que d'ici l'épisode prochain, j'optimise un peu et j'ajoute un petit peu la... Faire venir plus d'iron ici. Pour qu'on puisse avancer. Et le prochain épisode sera le dernier épisode. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que celui-ci d'épisode vous a plu. On se retrouve du coup demain pour le dernier épisode. C'était As2, à la prochaine, ciao! Et j'ai plus de courant.